Bonjour, donc je suis Raphaël Soupe, psychologue consultant à la SNCF. Je fais partie de la branche infrastructure. Donc aujourd'hui, nous sommes au 18e mondial des métiers de la région Rhône-Alpes. Et donc nous représentons les métiers de la maintenance et des travaux de l'infrastructure. Donc ces métiers concernent le maintien et l'entretien du réseau ferré. Donc parmi ces métiers, nous avons les métiers de la maintenance et des travaux des voies ferrées, de la signalisation électrique et mécanique, des caténaires, donc des câbles d'alimentation des trains, et des équipements d'alimentation des lignes électrifiées. Ce sont des métiers qui permettent de maintenir le réseau en état. Les personnes qui exercent ces métiers travaillent le week-end, les jours fermés, les jours fériés, de jour, de nuit, en extérieur, et font pas mal de déplacements. Aujourd'hui, sur ce mondial, nous sommes là pour parler de ces métiers qui sont peu connus du grand public et éventuellement susciter des vocations pour recruter autant en alternance que sur des emplois directs. Voilà. Donc les formations que nous dispensons, ce sont surtout des bacs, donc des diplômes de niveau 4 de spécialités techniques, électricité, bac pro, MEI, maintenance des équipements industriels, jusqu'aux licences pro. Pour les emplois directs, on recrute de 100 diplômes à bac plus 3 sur tous ces emplois. Donc, au niveau du recrutement, la branche infra a représenté à peu près un peu plus de 2000 recrutements en 2013. Sur le territoire sud-est, c'était 500 recrutements environ. Nous allons en 2014 s'orienter sur des chiffres à peu près similaires.